J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on revient dans une vidéo DIY pour les fêtes de Noël. Donc aujourd'hui, on va réaliser la décoration d'une bougie. Je vais vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser tout ça. Vous allez voir, c'est très 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 simple. Vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de matériel. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une bougie. Donc à vous de voir si vous voulez une vraie bougie ou si vous voulez une bougie à LED. Moi personnellement, j'ai opté pour la bougie à LED. J'ai pris celle-ci, donc c'est de la marque Realistic Flame, que j'ai eu chez Action au prix environ un peu plus de 4 euros. Donc il y a deux grosses piles à mettre en bas, et du coup, elles sont vraiment bien celles-ci, parce qu'en plus, bon, elles s'allument. Et c'est que la petite flamme qui est juste au-dessus, en fait, bouge. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est une vraie bougie, donc c'est vraiment, vraiment très sympa à avoir dans son salon. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt opté pour une bougie à LED. Après, à vous de voir, à vous de juger. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de... Moi, je vais prendre de la peinture en spray couleur or. Parce que moi, j'adore mettre de l'or dans mes créations. Vous allez avoir besoin de papier. Enfin, moi, je vais utiliser du papier. Donc là, j'ai opté pour le petit bloc déco de chez Toga. Donc, il n'y a pas de collection particulière. Ça fait déjà un moment que je l'ai déjà, celui-là. Du ruban ou de la dentelle. J'ai pris des petits embellissements. Voilà. J'ai pris quelques petits embellissements en bois. À voir ce que je vais mettre dessus. On verra bien au fur et à mesure de la vidéo. Et des petites pommes de pin. Enfin, c'est des petites, ouais, des petites sortes de petites pommes de pin. Voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà, et ben je vous laisse avec la partie de la vidéo. Je ne sais pas si je fais en musique ou si je vais parler en même temps de préparer la bougie. Donc si jamais je ne parle pas pendant la vidéo, je vous fais des énormes bisous.
La bougie, donc désolée, c'était peut-être un peu long le moment où j'accrochais toutes les petites pommes de pin, mais bon, de toute façon la vidéo est en accéléré, donc du coup ça devrait quand même être assez rapide. Donc je vais vous la montrer parce que là vous voyez pas tellement bien. Voilà ce que la bougie donne. Et de toute façon je vous ferai un petit topo tout à l'heure allumé, je vous ferai un petit visuel quand elles seront allumées. Voilà. Donc vous voyez, c'est rien de compliqué. J'ai juste pris mon pistolet à colle que j'avais oublié de vous dire au début de la vidéo. J'ai juste collé des éléments comme ça que j'avais dans ma boîte de Noël. Et voilà. Pas besoin de 1 million de matériel. Vraiment, vous prenez ce que vous avez chez vous. C'est vraiment très 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 facile à faire. Et vous allez voir, moi je sais que ça fait une très très jolie déco. J'en ai également réalisé une deuxième. Donc comme ceci, elle est plus simple. Donc c'était surtout un essai, celle-là. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'en ferai une troisième, hein, on verra bien quand j'irai à Action si je me décide à reprendre une bougie ou pas. Je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des énormes bisous. Bye bye!